Hello tout le monde, c'est Falken et bienvenue sur votre épisode numéro 8 de notre Let's Play Délire sur Dora Sauve les Sirènes. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On en approche dangereusement de la fin. Ma patience est à rude épreuve, je dois avouer, je n'ai même pas et toujours pas fait de pause, à part pour juste couper mon logiciel de capture audio, le relancer, etc., etc. Je pense que les personnes qui font des vidéos savent de quoi je parle. Et il est temps que ce jeu s'arrête pour moi, car c'est une véritable, et je le répète, vraiment, une véritable torture. Ok, allez Dora, maintenant t'es en sirène, on va récupérer tout ce qu'il te faut. Waouh, c'est génial. Et il est où, Babouche? Regardez, vous croyez qu'il y a quelque chose là-dedans? J'ai pas compris, là. On avait déjà fait l'action. Ah, d'accord, en fait, on était plus rapide que le jeu. Waouh! Super! Bon, bah écoutez, hein, c'est plutôt pas mal fait, on peut dire. Au niveau des décors, faut dire ce qu'il y a. Les fonds marins sont sympas. Ce petit jump là qu'a fait, ce petit salto là. Vas-y, vas-y, Queen Madora, Queen, Queen, Queen. Peut-être que tu fais mieux dans ce jeu, je crois. Forcément quelque chose ici. Ouais, c'était obligé. Ah ouais, mais carrément quoi, j'avais pas vu qu'on pouvait aller en bas quoi. Bon, bah écoutez. Hein. Très bien. Je vous rappelle qu'il nous reste une forme à mettre sur la couronne. Hein. Regardez là le. Les animaux de la mer d'Azur veulent nous guider jusqu'au royaume des sirènes. Utilise le joystick analogique gauche pour sélectionner un animal, puis appuie sur la commande d'action pour valider ton choix. L'animal le plus gros est celui qui connaît le chemin. Où est le plus gros des poissons-chiens? C'est un effet d'optique parce que vous voyez celui-là, c'est le plus gros mais il est en avant. Je suis sûr que c'est ça. Y a quelque chose là-dessous. Bien, on va te suivre alors. Parce que je disais, regardez le bateau, il est quand même pas mal fait, faut dire ce qu'il est. Alors suivons un poisson-chien. Je connaissais les poissons-chats, mais pas encore les poissons-chiens. Ok. Alors on te suit tout le temps. L'animal le plus gros est celui qui connaît le chemin. Où est le plus gros des poissons-chats? Eh ben celui-là. Mon dieu. Allez, on va te suivre, monsieur le poisson-chat. L'animal le plus petit est celui qui connaît le chemin. Où est le plus petit des poissons-poules? Ah, mais on se demande. En plus, ils mettent directement la cible, quoi. C'est n'importe quoi. Poisson poulet, non, c'est ça? Non! Je voulais aller là-bas, là! L'animal le plus gros est celui qui connaît le chemin. Où est le plus gros des poissons vaches? Encore une fois, on a été téléporté, là! J'aime pas ça! Je peux pas, vous pouvez pas faire mon action! Je veux récupérer ma gemme, là. Oh. Je crie au scandale. Dora, fais quelque chose. Je sais pas. Encore une fois, oui, ça se TP automatiquement, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, un coffre. Très bien, Dora.
sert à rien de faire ça, mais bon, c'est toujours fun, hein. La seule chose. Allez, on a loupé un truc comme ça, c'est ça que je parlais. C'est bien dommage. Bon, ben. Allons, je sais pas si on est encore loin du monde des sirènes. Très bien. Bon, bah écoutez, hein, pour l'instant, c'est assez facile, on va dire. Le chemin, de toute façon, est tout linéaire, tout tracé. Hein. Comme depuis le début de ce jeu, il est tellement passionnant, c'est vrai. Regardez, là je touche même pas la manette, en fait. Ça se fait automatiquement. Bon, moi, on récupère quand même pas mal de joyaux. C'est sympa. Il est où le poisson mouton je sais plus si c'est un mouton ou... vache. Je m'en rappelle plus, je dois vous avouer. Et là, Dora, comme par hasard, elle sait s'orienter, quoi. Logique, vous allez me dire. Ah, c'est la fin du niveau, déjà? On a combien, là? 6 minutes? Ah ouais, quand même, c'est passé rapidement, cet épisode, hein, je dois avouer. Allez, comme vous avez été très gentil, je pense qu'on va faire, à moins que ça soit vraiment un épisode à part entière, après. Bravo, tu as réussi. Tu as replacé une... Mais sinon, je pensais tout simplement peut-être poursuivre dans cet épisode, je vais voir. Bravo. Toutes les pierres précieuses sont désormais à leur place sur la couronne magique. Nous avons réussi. Ça dépendra s'il y aura du gameplay, en fait, s'il y aura un épisode 9 ou pas. De toute façon, vous le verrez bien, hein. Niveau 9, le royaume des sirènes. Et bah oui, écoutez, il y a du gameplay. Bah écoutez, il y aura donc un épisode numéro 9. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode numéro 8. On se retrouve très vite pour la suite et fin de ce Let's Play Délire. Allez, à bientôt tout le monde.